17e journée de championnat de pré-national, l'UCK Nef de Vannes, ici en vert, recevait le basket club Enbontais pour ce derby morbihanais. Les Vannetais, qui sortaient d'une grosse défaite la semaine précédente face à Trégueux, 110 à 56, avaient à cœur de renouer avec la victoire. Dominateur dans ce premier quart-temps, l'UCK vire en tête, mais l'ascendant n'est pas suffisant pour décrocher le BCH de Lenayon. Les Bleus vont profiter d'un relâchement de leur hôte dans les 2e et 3e quart-temps pour recoller au score. L'effort ne sera toutefois pas suffisant, Vannes resserre son jeu et finit par l'emporter 66-55. On savait que ça allait être dur, ben voilà, on a fait l'essentiel, la victoire est là. Après il faut qu'on travaille parce que voilà, il y a des lacunes, il y a des choses qu'on doit évoluer, qu'on doit améliorer. Même si c'est que notre saison, bah, pour la montée c'est foutu, mais voilà, travailler pour progresser individuellement et préparer la saison prochaine. Ouais, on loue beaucoup de paniers faciles sous le panier là. C'était des paniers tout faits qu'on ne met pas malheureusement. Alors qu'aujourd'hui, comme je répète, on a joué les yeux dans les yeux. Il n'aurait même pas été trop illogique qu'on gagne ce match. Donc c'est très frustrant. Avec cette 11e victoire de la saison, l'UCK conserve sa 5e place au classement. Et si la montée en National 3 n'est plus d'actualité, les joueurs se tournent désormais vers l'avenir. Bah, on va jouer toujours avec le même sérieux. Et on va essayer de se faire plaisir, jouer vraiment à fond et tout donner sur le collectif. Et deuxièmement, c'est voilà, pour produire du jeu pour éventuellement préparer l'année prochaine, mais aussi de se faire respecter parce que voilà, on ne va pas non plus lâcher les bras parce qu'on ne peut plus monter et prendre des tôles tous les week-ends, ça, c'est pas possible. Ambiance plus crispée à Enbon qui enchaîne ici sa 3e défaite consécutive. Désormais relégable, les Bleus vont devoir trouver les ressources pour sortir de la zone rouge. Il va falloir aller se battre aussi à l'extérieur, il n'y a pas que des matchs chez nous, il faut qu'on continue à l'extérieur et vraiment qu'on y aille, quoi. Qu'on y croit jusqu'au bout. On a aussi un public qui est derrière nous, donc c'est sûr que c'est toujours mieux de jouer chez nous parce qu'on s'entraîne là, mais il faut aller aussi chercher des points à l'extérieur, ce que dit le coach, il faut qu'on y aille là. Il va falloir gagner un maximum de matchs tout simplement, c'est les équipes qui arrivent sont costauds, mais donc certaines n'ont plus forcément de quelque chose à jouer comme Vannes ce soir, donc il faudra... Nous, il faudra rester de toute façon motivé à fond pour rester dans l'objectif qui est de maintenir l'équipe. Prochain match et nouveau derby pour Enbon le week-end prochain face à la réserve du CEP Lorient. L'UCK Nef de Vannes rencontrera Lillet Basket Club avant-dernier au classement.